cache là-dessous, les gars. Elle pète. Ouais, tu m'étonnes. Je vous en supplie. Alors, je comme ça, ok. Oh, caca! Je ne sais pas comment faire. Allez, viens, espèce d'enfoiré! Arrête, connasse! Ah, mais arrête, connasse! Tu vois bien qu'il est derrière ton cul déjà! Mais je peux rien foutre! Qu'est-ce que ça m'énerve? Va te faire foutre. Je sais pas où je vais. Mais ouvre! Vite, un fruit, la bande de putes! Mais putain, un fruit! C'est mort. Non mais elle est sérieuse! Ah putain, je déteste ça! Qu'est-ce qui va marcher? Ah mais je déteste ce passage de merde! Oh, une clé. Non! Mais qu'il est con! Mais qu'il est con! Il a acheté la clé, ce con. Mais file-moi le fuel, connard! Oh, le mec, c'est... Mais gueule! Mon dieu! Bah tu es en culus! Par où dois-je aller maintenant? Alors tu vas pas pouvoir aller là. Mais par contre tu peux aller là. Et toi? Tu peux aller là? Donc toi tu peux aller là? Tu peux y aller? Oui! Non! Oui! Oh putain! Oh, c'est la première fois que je la réussis, celle-là! Je suis trop content, les gars! Ah, purée! Merci pour le GG! Oh là 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 là! Ça, mais quel soulagement! Cassons-nous d'ici! Cassons-nous d'ici! Faisons d'autres énigmes plus faciles! Oh, il est plus petit! Ah! Il vient pas ici! Putain, Tati Jacob, tu l'as dans le cul! Oh merde, il est tombé lui! Hein? Baladu! Moi je préfère celle-là. Oui. Baladu! Oui, baladu! Oui, baladu! Baladur, oh oui baladur, oh oui c'est baladur, as, oui baladur, baladur. Oh, faut que je fasse un même avec ce truc là. Luigi qui aime la bite. Lui la bite à son frère Mario. Quand ils sont dans le lit, ils s'en donnent à cœur joie, cœur joie, cœur joie.
Y'a un Todd là dans les chiottes du... Il est peut-être sauvable. Ingrid est peut-être sauvable, les gars. Ingrid, est-ce que tu es sauvable? Ah! Ok! Youyou, hésite pas à clipper quand il y a des trucs bizarres comme ça. Pain jaquet? Parce qu'il a coupé le... Il a coupé les plombs. Par contre, je sais pas où se situe dans cette barrique là. C'est en bas, mais j'ai Marc, tu peux te remontrer s'il te plaît? Marc Jaquet? En photo, Marc. Marc Harris? Marc Harris, est-ce que je peux te tartiner de Nutella? Bon, je te boufferai pas parce que je peux pas, mais j'aimerais bien juste te tartiner, s'il te plaît. Marc Harris, puis-je te tartiner le zobe de Nutella? T'as pas réussi à le prendre en photo non plus, le loup? Ah, ah putain, il m'a popé à la gueule! Il m'a popé à la putain de gueule! Ah, l'enculé, mais du coup, je l'ai toujours pas en photo! Hey, it! Oh, qu'est-ce que c'est que cette merde? Un langolier? Oh, bah vas-y, il va pas me bouffer! Ah mais c'est un requin de sable. C'est déconné. Oui auriez-vous projeté d'avoir des animatroniques dans votre parc animatronique? Non non. Oh bah putain, il court. Il court, il court, le gros furet. Ah putain, j'ai eu peur. Il a un œil dans le cul, mais exactement. Allez. Mais l'autre, il est sur le trône, là. Oh, connard. Tu l'as vu? Quoi, mon cul? Eh Homer, j'ai vu ta zigounette. Salut, Inoxiden, comment ça va? Et bienvenue à toi. Comment ont-ils pu faire ça à Mario? Quoi, ils lui ont foutu un truc dans le cul? Est-ce que tu l'as vu mon cul? Quand je l'ai vu comme ça, j'ai perdu la boule. Ah oh, mais arrêtez avec vos histoires de boules, les Toads. Et j'ai foncé vers le manoir pour m'y cacher. Mais en tout en courant, j'ai remarqué que Mario avait laissé des trucs à lui par terre. J'ai vu 5 objets, un chapeau, un gant, une chaussure, une lettre et une étoile. J'irai te les chercher. Si je me rappelais où ils étaient. Oh, voilà, toujours aussi utile. Laisse le chien tranquille. En plus, c'est des chiottes à la turque, hein, j'ai l'impression. C'est pas hyper... Enfin, je veux dire, c'est pas hyper pratique, quoi. J'aurais peut-être dû en ramasser quelques-uns. Salut. Tu es bien le frère de Mario. Oh merde, je l'ai refait pleurer. Ah, mais... Carrément, j'étais jamais rentré dans cette porcherie. Putain l'enculé. Oh non, il s'est barré. J'ai eu peur du cochon. Monsieur, ton trou de balle il est trouvé. Je pense que là c'est... Et salut bande de galopins et de galopines, ici le loup 5. Comment allez-vous ce soir? Salut Jabberwock, salut Patient Cortex, salut Neo Tabris, salut Lulunico, salut Trifood, salut Sylvain Brousseau, salut Mewtwo King, salut Vince Lowe. Et je pense que j'ai réussi à faire le tour. Comment allez-vous en cette rude soirée? Salut Oru. Non, j'ai pas vu ton MP Discord pour le moment, Oru. Il faut que j'y aille. Alors ce soir ça va être un petit live sympatoche sur notre ami Chippendales, c'est-à-dire Tic et Tac, un jeunesse que j'ai pas encore fait en nostalgie, mais du coup voilà, je vais remater un petit peu ce que c'est.
Je l'avais, hein, étant gamin, donc je m'en rappelle un petit peu. Je veux juste Gamepad config, car à chaque fois, il faut que je config, les amis. Ça, c'est chiant, par contre. Il garde pas en mémoire. Et je sais pas, pourtant, je marque garder en mémoire. Et il veut pas. C'est quand même ballot. Bon, je suis un petit peu mou. Les gars, c'est normal. Je ressors d'une... Hier, j'ai été à un truc d'acupuncture et bon, il m'a dit que pendant 3-4 jours, j'allais être un peu naze. Qu'est-ce que vous avez à sourire comme des glands ? Qu'est-ce que vous avez à sourire comme des glands ? Bonsoir, Jarjounet. Comment vas-tu ? Il faut que je mette... faut que j'arrête la pause, voilà. Hop ! Vous voyez encore ma... Non, c'est bon. Voilà ! Pipipipu. Victime du crime. Maintenant la déprime. Salut, Mélie ! Comment ça va ? T'écoutes tout le monde craque. Bit, 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 bité, chat. Un players. Moi, je préfère Chip. Je préfère Chip. Je trouve qu'il avait moins l'air con. Ouais, bon, ça, on s'en fout. Alors, faut que je me rappelle de... Ah, voilà. Bon, bah, c'est tout simple. Oh, putain. Donc, oui, voilà. Ah, merde, putain, il n'y a pas de... Le scroll... Ah, oui, d'accord, on peut pas revenir. D'accord. Je m'en rappelais plus. Oh, merde. Il saute vachement haut. Dégage. Bon, c'est pas un jeu difficile, hein, il me semble. Hein. Peut-être sur les niveaux... Les niveaux d'après... Ah ! Un petit jeu, un peu style DuckTales. Ah non, mais je t'avais pas vu. Pas vu au moment venu. Petite musique sympa. En plus, il y en a pas mal qui m'en ont parlé dans la vidéo d'aujourd'hui. Enfin, sur les commentaires. Alors, c'est quoi ça? Ah oui, d'accord. Donc, je suis safe là. Il bute tout le monde, lui. Je sais pas ce que ça fait de ramasser des trucs. Dégage. Je prends toujours une arme avec moi. Mais comment je fais pour les avoir? Ah! Ah non, je peux pas les avoir. Oh putain, je me souvenais plus qu'on pouvait se planquer là. Salut, son of a bitch, comment vas-tu? Et salut, Katiazorus. Oh là, merde! Oui, aïe, aïe! Ah oui, d'accord, c'est comme ça, quoi. Oh non! Je l'ai eu dans le cul. Oh putain, on repart du début? Foutrais pas un petit peu de ma gueule? Un petit peu de ma gueule. Bon, je vais peut-être pas ramasser tous les trucs. Sinon demain on y est encore. Ah, une petite étoile. Merde. Je sais plus à quoi elles servent les étoiles. Putain, ils me font peur ces gros clébards. Ces gros clébards. Bon, on le teste vite fait, hein. Parce que je m'en souviens plus, je sais que j'y ai joué pas mal étant gamin. Mais comme je vous ai dit, je suis claqué quoi. On sait souvent que je suis claqué, mais là encore plus parce que je suis mou. Ça me fait chier. Enfin, ça me fait chier. C'est pour mon bien-être, mais.
C'est vrai que ça n'aide pas à bien se concentrer. Ah oui, c'est pour passer là, bon, j'en ai rien à foutre. Oh là ! Putain, la musique qui tourne en boucle, ça va me faire chier, ça va me faire chier. Oula, il redescend pas lui. Oh purée, j'ai eu chaud la bite. Ah oui, mais je peux redescendre comme ça, mais trop bien. Les baladures. Est-ce qu'on ferait pas une petite sauvegarde? Je me rappelle plus comment c'est les sauvegardes. C'est I. Ouais, c'est I. Fais une petite sauvegarde quand même, hein, parce que. Pas envie de tout me retaper. Oh merde, je la suis pris dans la gueule. Oh, mais ça va peut-être aller. Oula. Cassez-vous, cassez-vous. Bande de rats, oui, bande de rats. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, d'accord. Ah! Oh merde! Ah oui, c'est tout. Oui, d'accord. Bon bah alors, prends-le, connard. Ah oui, d'accord. C'est vraiment, genre, il fait pas grand-chose, hein. Il sert même pas de ses brosses à chiottes. Vous avez vu? Salut, Joris le 6, comment vas-tu? Zone clear. Fat Cat. On s'en fout. Allez, ta gueule. Donc, je vais là. Ok. Ok. Hop. Petite save. Mais en fait, le problème, c'est que je me rappelle plus à quoi ça sert tous les bordels là. Je suis là. Il m'a point vu. Oui, il m'a bien vu arriver. Droit dans sa gueule. Salut Zolf, comment vas-tu? Oh merde. Ah oui, bah forcément, hein, ça passe en dessous. Oh mais merde, il pop direct les mecs. Allez tiens. Oh merde. Flûte. Alors, on va faire ça. À chaque zone, je fais une save. Mais sinon, je reprends la zone. Bon bah là, je vais en chier je pense. Et si je montais en mode speedrun? Genre je m'en bats les couilles des mecs. Oh purée. Purée de pâte à caisse, hein. Mais il veut pas. Il me pète les couilles. Oui, c'est vrai, on est encore dans la censure. Hein. Ah, à part là. Qui c'est qui a carotté un coup Frank World? Comment ça va, Frank World? Ami du Québec.
Québec. Oh purée, 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 purée de pâte à caisse. Purée de pâte à caisse. Bon, j'ai rien pris, hein. Ah oui, si. Oh non, c'est déjà le boss ? C'est vrai, il va pas être trop compliqué. Pas aussi compliqué que Megaman, ça, hein. Oh merde. Oh non. Ça, c'est... Ce n'est pas possible. Oh merde. Non, je vais l'avoir dans le cul. Eh ouais, je l'ai eu dans le cul. Bah, c'est tout, hein. On refait, hein. C'est pas grave, hein. En mode détente, hein. On a pas dit qu'on finirait le jeu. Mais j'aimerais bien savoir à quoi ça sert, quoi. J'ai vu Hooper le faire en live il y a pas longtemps. Ah ouais? Mais Hooper, il a un Twitch? Ou il fait ses lives sur YouTube? Et c'est pour ça que je vois pas. À chaque fois, je me fais baiser. La gourmandise est un vilain défaut. Putain, mais j'aime bien parce que t'arrives, t'as une musique, t'as l'impression qu'on va... On va faire les 12 travaux d'Hercule, alors que bon, c'est juste foutre une boule sur un hibou. Oh non! J'ai rebondi dessus, connard! Voilà. Non, il est pas dur. Ah, il lave sur YouTube, ouais, voilà. Ah, c'est des one-up. Au bout d'un certain moment, tu as des one-up, ça y est. Comment elle s'appelait elle? Ah bah Gadget. Elle s'appelait Gadget. Salut Rezestock, comment vas-tu? Bon bah on va faire B. On a fait A. Mais il était vraiment sympa ce petit jeu. Si je me souviens bien. Voilà, encore un jeu Disney que j'aimais bien. Bah parce que déjà je l'ai eu. Mais généralement, moi, c'est les Mickey, les Donald, j'ai eu du mal, quoi. Oh, et les aussi, les... Oh, on va pas se mentir, hein, j'avais eu Aladdin sur Super NES. Bon, quand tu finis le jeu en 4 jours, alors que t'as 12 ans... C'est qu'il y a un souci, quoi. Oh putain, il a giclé. Là-dedans. Ah, je peux pas passer, c'est ça? Ah putain, mais oui. Oh, l'étoile qui vole, ça fait très Mario Bros 2, hein. On va prendre un max de trucs, hein. Même si je sais pas à quoi ça sert. Pisser dessus. Ah putain, j'ai les yeux qui picotent, quoi, les gars. Ah, c'est chiant. Ah, je vous promets pas un live jusqu'à 23h, hein, par contre. Je vous dis, ça m'a complètement retourné la gueule. Bon, la preuve, hein, vous sentez... pas vraiment, c'est pas une baisse d'énergie, hein. C'est justement que c'est en train de se remettre, mais... Ah merde! Ah putain, ça se pète la gueule, ok. Oh ouais, merde, hein, je reprends là, donc... Oh, mais chiotte, lui! Il pue du cul! Ouais, bon, eux, ils ont des comportements d'ennemis de Megaman! Décidément. Alors oui, j'ai pas voulu faire le nostalgie. Enfin, le jeu qu'on a fait en nostalgie aujourd'hui, ça s'appelle quand même Nostalive, hein, parce que
Ça, il sera fait celui-là en nostalgie, je pense. Mais puis ça reste de la NES, donc voilà. Mais j'ai pas voulu le refaire parce que bon, je l'ai fait la semaine dernière, quoi. Donc je vais me faire chier. Salut Périche, comment vas-tu? Oh là là. Ah bah d'accord. Oh des petits mecs, on dirait des petits mecs de Simpson. Non, ça va pas être compliqué non plus. Merde. Ah si. Par si je fais de la merde, hein, évidemment. Ah, je l'ai touché deux fois, là. Ouais, ça va. Ils ont pas trop corsé, hein, au niveau des boss. Puis là, il lui roule dessus et... C'est des mini Bob Razowski, oui, c'est ça. Salut, Nanora. Ah, y'a un film Tic et Tac, là, qui sort? Ben moi, ça va, Périch, comme je disais, hein, je suis... En fait, je suis mou, je suis... j'ai un peu de fatigue, plus que d'habitude. Bon, c'est de la bonne fatigue, parce qu'il y a eu l'acupuncteur. L'acupuncteur hier, et il m'a dit 3-4 jours, quoi. Hein, 3-4 jours de où je risque d'être un peu mou du genou. Et du coup, ouais, je suis un peu rabat, là, quoi. Mais c'est justement ça qu'il fallait qu'on travaille, donc sur les nerfs. Donc, comme il y a vraiment du mieux au fil des mois, autant continuer, quoi. Mais là, c'est vrai que là, regardez l'écran, ça me nique. Hein. Ah, ça y est, des personnages qui prennent plus de d'un coup à se faire gicler. Et pourquoi il y en a, j'arrive pas à les prendre là. Mais je passe en bas moi. Oh ben dieu. Oh putain, mais je saute trop tôt comme un connard aussi. Mais bon, de toute façon. Oh merde, j'ai touché. Ah, ça parle des Rangers du risque, le... Sur Disney+. Trop bien. Ça fait plaisir, la chronique sur Darkwing Duck. Ouais, elle était... Mais il est bien, ce jeu, hein. Darkwing Duck, je pense que ça fait partie... Mais pourquoi je peux pas le prendre? Celui-là, je peux le prendre et... Puis je peux le reprendre, là. Ouais, il y a des bugs dans le jeu. Ça fait partie des... Il fait partie des meilleurs jeux de la NES, hein. Bon, hyper dur, hein, par contre. Bah. Bon, alors là, c'est... je comprends rien. Non, lui, on va le buter parce que sinon, il va me faire chier. Ah, je l'ai évité, ce connard. Oui, tu ne m'atteins pas, mais moi je t'atteins. Comme la tarte, bien sûr. Oula. Qu'est-ce que c'est que merde? Il fait rien d'autre, lui? Ça va peut-être aller. Ah, faudra que je vois ça. Disney Plus, puisque j'ai Disney Plus. Ah oui, d'accord, il fait ça. Merde, non, fais chier. Bon, c'est tout. J'avais oublié de sauvegarder. Ah, voilà. J'aurais dû prendre ça aussi.
putain. Je sens que je vais me casser la gueule. Quoi ? Il y avait juste un niveau à passer, il n'y avait pas de boss ? Merci Unalora pour le prime. Merde, au secours. Il est écrit, seule Link peut vaincre Ganon. Ouais, j'ai encore eu un one-up. Careful, guys. C'est pas moi qui explique mal, c'est les autres qui sont cons. Et salut, Mio. Comment vas-tu ? Oh putain. Non mais c'est bon, j'arrive à les repérer, ils sont plus rouges. Oui, lui, c'en est un. Lui au-dessus, c'en est un. L'autre, là, le premier, c'en est un. Ouais, ça va. Vous ne m'aurez point, hein, les gars. Oui, par contre, on va vous faire chier. Bienvenue à toi. Et salut, Hellman. Ah oui, et alors ? Écoute, hein. Ah merde, je croyais qu'on pouvait sauter dessus. Ah non, c'est pendant qu'il tourne, on peut passer. Petite save. Oh putain, il est bien fait le lapin, on dirait un lapin de chez Alice. Oh putain ! Il est en train de me bourriner le cul aussi. Mais non, mais il veut pas sauter. Ouais, mais ça me fait chier. Alors non, je reprends à ma save. Mais qu'est-ce qu'il me fait ? C'est pas grave. Putain, il y a des mecs qui foutent des bastos aux caisses. Oh merde! Je croyais qu'ils se butaient en une fois. Moi. Ah merde! Mais... Ah oui, si on se rapproche d'eux, en fait, ils se barrent. Pas tout le temps. Alors attendez, est-ce que c'est pas ça? Ah oui. Oh ouais. Il y a faute, hein, là. Hein. Ah ouais, mais non, attends, il est en off. Oh merde. Il est foutu en on, quel con. Mais d'accord, mais les gars. Oh, il y a des mecs là-dessous, là, hein. Oh. Oh putain, ouais, non. Oula, j'ai failli le prendre. Showtime là. Il doit bien avoir un là-dedans, non? Hop. Il sent pas, hein, ce jeu. Je sais pas ce que vous en pensez. Tchouk, tchouk, tchouk. Je prends pas les trucs. Oula. Non mais t'as vu la Vierge ? Ça ne le touche pas, ok. D'accord. En plus, j'ai plus de vie, je crois. Oh putain. Qu'est-ce que j'avais dit ? Ça se casse la gueule.
Oh merde, putain. J'arrive à le louper avec une grosse pomme. Bon, hein, je vais juste faire un... Ah non, mais faut le buter comme ça, quoi. C'est même pas... Moi, je croyais qu'il fallait viser la tête, quoi. Non, même pas. Bon, là, ça va pas marcher, mais... Ça va pas marcher non plus. Ah oui, il faut... C'est là où c'est allumé, quoi. Bon. Ouais, mais non, mais là... Des fois, il en balance qu'une, quoi. Oh, je l'ai loupé. Regardez, Chip and Dale. Ça passait pas le dimanche matin, ça? Tic, 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 tic et tac. C'était pas sur Minicum ou un truc comme ça? Oh merde, j'ai pris le F. Bon, c'est pas grave, hein. Castle of Illusion? Ah ouais? Alors, j'ai jamais trop fait Castle of Illusion. Oh putain. Ouais, bah, bien sûr. Les trucs à la Megaman. Hop. Eh ben nickel. Bah ça va. C'est pas compliqué. Plus sur TF1 dans mes souvenirs. Ah oui, peut-être. Mais baladure, oui c'est baladure, 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 baladure. Bon bah eux. Baladure. Baladure. C'est quoi, c'est des cocottes de pain ça? Adieu. Oh putain! Oh putain de bitas! Vous avez vu les personnages, ils... quand on les bute, ça fait exactement pareil que dans du... Enfin, à peu de choses près que dans du DuckTales, hein. Ah merde, je vais pas pouvoir. Si, je vais pouvoir comme ça. J'ai vu celle-là. Oh, hé, oh! Hitbox à la con, là. Oh, fais-moi passer là, hé. Tête de bite. Ah, voilà. Bim. Oh, il y a un truc là. Ah oui. Oh putain de punaise de bite. D'avoir vu Aladdin, Timon et Pumba et dinosaure. Ah, c'est. Oui, c'est possible. Timon et Pumba, oui, c'est sûr. Aladdin aussi. La série Aladdin. C'était pas terrible, hein. Pas trop bien. Oh putain. J'ai préféré le film. Le premier, puis éventuellement le retour de Jafar, mais. C'était pas non plus de ouf. J'aimais bien parce que Iago il devenait un peu gentil dans le retour de Jafar. Je peux peut-être les buter comme ça. Oh oui putain, je peux buter les mecs. Je vais garder ça, hein.
Oh putain, je l'ai plus. Je ne l'ai plus. Oh non, eux, je les aime pas. Oh putain. Purée de pataquès, hein. On peut pas s'enfoncer là-dedans? Ah non, en fait, non. Bon. Oh putain, mais j'ai combien de vie? J'en chope sans arrêt des lives. Bon bah, ça va aller. Oh merde. Bon bah, ça va aller, oui et non, quoi. Oh, je reprends là. Mais trop bien. Lui, il est un peu plus chaud déjà, hein, non? Pour esquiver ça, vas-y! Ah ouais, mais non, ça va pas le faire, hein. J'ai paumé toutes mes vies. Ah, voilà. Il fait une pause. Moi, je regardais ça le dimanche matin. Oh putain, je le touche plus. Je vais l'avoir dans le cucu. Oh, j'ai touché deux fois, ouais. Merde. Ah putain, non, j'y arrive pas. Ah, je l'ai eu. Je l'ai eu en même temps. Bah, je l'ai eu en même temps. Donc, bah, ça m'a fait gagner. Allez, encore une life. Non, c'est Tic. C'est Tic. Tic, c'est celui qui a le nez. Qui a le nez noir, normal. Tac, c'est celui qui a le nez rouge. Les gars. Je l'ai toujours su. Ah, le casino, le niveau du casino. Oh putain. Ils aimaient bien ça, les casinos. Hein. Genre, tu tiens un casino, t'es un bandit, quoi. T'es un connard. Je sais pas ce qu'en pensent les dirigeants de casino, les directeurs de casino. Speedrun le jeu, les gars, hein, quasiment. Parce que je crois que c'est la fin, hein, en plus. Hein. C'est le dernier niveau. Hein. Il me semble. Oh, bah, va te faire enculer, là! Tu passes à travers celui-là, puis passes à travers celui-là! Gros con! Oh, va te faire enculus. Quand même faire une save là. Me niquer. Merci pour le sub des 14 mois, Ichelion. Comment ça va? Ich, mais ça rime pas avec couille. Non, mais Ich, oui. Ichelion. Bon, en même temps, j'aurais pu laisser, je suis con. Hein. J'ai eu plein de life. Je sais pas. Je sais pas combien. P, j'en ai 6.
ça va, comme je disais précédemment, je suis un peu mou. J'ai des petits coups de fatigue, petits vertiges de temps en temps, quoi. Mais bon, c'est normal. Donc tout se remet en place. Je fasse un petit escalier. J'aime bien construire dans les jeux. Ah voilà. Pff, c'était beau. Ah c'était très beau. Alors ce qui était intéressant dans le jeu, c'est qu'on pouvait y jouer à deux sur le même écran. Je crois que c'était le premier jeu que je voyais comme ça. Et c'était vachement cool, quoi. Bala bala dur, bala 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 dur. Voilà. Voilà, voilà. Et on a fini le jeu en 35 minutes. C'est quand même pas... Voilà, le problème, c'est que c'est pas... C'est un peu... C'est pas de l'arnaque, mais quand même, putain, merde. C'était 250 francs un jeu, hein. 300 balles un jeu. Une cartouche, comme ça. Peut-être même plus, hein. 350 francs, je pense. Bon, ça fait cher le jeu, quoi. Ouais, plutôt 450 francs, ouais. Salut Gamer Tutut. Et merci Madao pour le sub et bien le bonsoir. Mais ça arrive pas avec couilles. Il y a même pas de bisous. De toute façon, c'est un rat et... Alors, je sais pas ce qu'ils foutent avec une... Pourquoi ils vont sur la lune, quoi. Ah mais non, mais c'est pas la fin du jeu. Il y a encore 2-3 trucs. Eh ouais les gars, non, c'est pas fini hein. Allez, on continue notre aventure quand même. Que bon là, j'allais dire, putain, à 30 minutes de stream. Bon, faudrait vraiment que je me sente pas bien quoi. Maladure. Bon, la prochaine chronique du Dolby est prête depuis aujourd'hui, les amis. Ce sera pour la semaine prochaine. Et franchement, bah, moi, je l'aime bien, cette chronique du Dolby. De toute façon, les deux prochaines chroniques du Dolby, je les aime vraiment bien. Je pense que là, on a, avec Megaman, c'est un bon trio là pour la fin de saison des chroniques du Dolby. Bon trio. Alors, il y en aura peut-être d'autres, hein, mais... Mais je veux dire, ces trois-là, déjà, elles sont... Moi, je les aime bien. Je vais baiser. En plus, c'est que des jeux que j'aime bien, quoi. Généralement... Là, on a enchaîné pas mal de jeux que j'aime beaucoup, quoi. Entre Resident Evil 4, Megaman... c'était quoi avant? Merde, c'était quoi avant? Avant Resident Evil, les gars? Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un Mario Time, ça je sais. Bon, c'était du Game & Watch, donc bon, voilà. Enfin, c'est pas... C'était de la nostalgie, mais bon, c'est pas les trucs que je préfère, en fait. Oh putain, il va me faire chier à chaque fois, lui! Pile poil, je vais faire une petite save. Salut Wickstorm, comment vas-tu?
Surtout que tu connais les sujets. Bah oui, tu connais les sujets. Là. Déjà, là, les deux prochaines chroniques du Dolby, tu les connais. Et ça va être du... C'est du lourd, hein. C'est du lourd. Mais il me semble pas avoir vu de créateur, on va dire. J'aime pas le mot youtubeur, putain, ça m'énerve. Imaginez qu'un jour on soit racheté par un gars qui dit bon bah ça va plus s'appeler le YouTube mais le N-tube. Genre E-N-tube. Non mais on sera quoi? Des entubeurs? Enfin c'est complètement con quoi. Et y a pas de Dailymotioner ou de Twitterer ou de je sais pas quoi. De Twitcher. Twitcher, ça se dit pas ça. Ah c'est de toute façon. Ça se dise ou pas, c'est n'importe quoi. Ce serait une autre plateforme, tu ferais les mêmes vidéos. Donc YouTubeur, moi ça me gave. Donc bref, j'ai pas vu d'autres personnages faisant des vidéos. Parler trop de ces trucs-là. Alors si, hein, y en a. Hein. Y en a parce que... Mais pas de cette façon-là, en fait. Créateur, vidéaste ou divertisseur, moi j'aime bien dire aussi. Ça se dit pas divertisseur, hein, mais... Rien à branler. C'est plus beau que youtubeur. Le jour où YouTube ferme... Oh putain, il me l'a ramollé à la gueule, lui! Le jour où YouTube, ça s'est niqué... Et à mon avis, c'est dans peut-être pas longtemps... Je veux dire, quand tu feras tes vidéos sur... voilà, j'en sais rien, moi, sur Odyssée ou sur des trucs comme ça... Tu vas dire, je suis un Odysseyeur. Personne dira ça. Personne dira ça et ouais, oh les gars. Oh putain, il va me pousser dans les picos. Oh putain, non, hey, y a faute là. Les troubadours. Ah, je peux pas le buter quand il est pas sorti de son truc. Ah, ils sont un peu plus chauds ces stages-là, ouais. Bon, rien d'infaisable non plus, hein. Faut pas non plus déconner. Ah, mais alors lui, je vais me le taper à chaque fois, en fait. Et je suis même plus devant le truc, il me pousse quand même. Putain, allez vous faire foutre. Oh non, il y a un mec juste au-dessus, là. M'en fous, je fais une save. C'est... évidemment. Voilà, évidemment, c'est ça le problème. C'est que ça te pousse, donc t'appuies sur avancer. Ah, voilà. Alors, comment je fais? Ouais, bah Dieu, putain. Bon, faut peut-être que j'en ai une et puis je passe pendant qu'il est en train de faire son bordel. Producteur de contenu audiovisuel en accès, en libre accès. C'est toujours mieux que... Ah non, putain. Toujours mieux que YouTuber de toute façon. Mais putain. Mais c'est pas possible par contre. Si j'ai pas tous mes points de vie, je vais pas y arriver. Faut que je me fasse buter par ce mec. Et alors, ou alors j'aimerais bien savoir comment on les bute ces mecs là. Peut-être les buter par en dessous.
Ah ouais, putain, on peut les buter par en dessous. Ouais, mais là, je peux pas le... Je peux pas l'atteindre. Comment veux-tu que je t'encule? Comment veux-tu que je t'encole une? Ah, oh, putain! Ah, flûte à cul, hein. Là, je peux pas l'atteindre, en fait. Vite, mais passe, gros con! Putain, fais chier! Ah, voilà, comme ça, ça y est, j'ai trouvé la technique. Et du coup, comme j'ai repris ma save, je me fais même pas chier. Allez, dégage! Voilà. Il était dans la série aussi, là, le mec, là. Il faisait partie de l'équipe. Les Rangers, je crois. Hein. Je m'en rappelle plus. Hein. C'est quoi ces vieux télégraphes, là? Bah la dure. Ouais, ça va aller. Bam bam. Bibib. Mais la dure. Bah la dure. Ouh là là, ça fait mal, ça fait bobo. Vite, une save. Ah, si je les veux. Ouais, bah, je m'en fous. Ouais, vas-y. Oula! Wouhihi! C'était sûr, mon pote. C'est bien que j'esquive, hein, c'est tout. Alors à chaque fois il se replace pour faire son bordel là. Oui, donc ça va aller, hein. Voilà. Bonsoir Benjamin Marquis de l'Épine. Balabaladure. Balabaladure. Allez. Plein cul, je sais pas comment faire pour aller en bas. Oh, va Dieu! Cette musique est sympa. Oula. Ah ça va, il me les envoie pas dans la gueule quand il les balance. Wallalala. Baladure. Eh bien, à bientôt, Sylvain Brousseau, repose-toi bien. Oh putain, on dirait les fouines de Roger Rabbit. Ah, ils ressemblent un peu, hein, les mecs. Ah, c'est mélange Disney... Donc ça passe. Puis j'ai plus du Disney les fouines puisque ça vient d'un Disney qui était merde. Le crapaud et le maître d'école. Il faut que je regarde sur Disney Plus parce que je l'ai jamais vu celui-là et je voulais le voir. Merde.
Bibibalabaladur. Pas plus cher de bien manger, de bien manger. Ah putain, évidemment, ils sont là. Ah mais, suce mes couilles, quoi. Wish win save. Et c'est vraiment sympa cette musique. Oh, ils sont très généreux quand même dans le jeu. Allez, le v'là, le gros. Oh putain, je me fais niquer direct. Ouais, bon, ça va pas être compliqué non plus. Oh putain. Oh merde. Putain, chus. Baladur, oui balalala, baladur. Ah ouais, faut... Oh putain. Non mais là je fais n'importe quoi, je fais de la merde. Ouais, d'accord. Non mais c'est pas ça qu'il faut faire mon pote. Tu te places, voilà. Oh putain. Voilà. Concentration. Voilà. Heureux comme un pacha. Bon, là, c'est la vraie fin, je pense. Ouais, quand même mis moins d'une heure, hein. Oui, bon, allez. Voilà. Et tu peux plus rien foutre. Ça, je détestais les jeux qui... Tu pouvais plus rien foutre après. T'as beau appuyer sur tous les boutons, ça fait plus rien. C'est dernier écran de jeu, puis t'as plus qu'à rallumer ta console, quoi. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? On discute un peu. Putain, j'ai pas mis la webcam. Je vais essayer de... Bon, allez, on va virer ça, déjà. No signal, we no signal. Est-ce que j'essaierai pas de brancher la webcam? Poum. Je sais pas si ça va fonctionner, hein, moi, les gars. Hein. Parce que faire ça en plein live, c'est compliqué. J'ai l'impression... Oh, va Dieu. Ah ouais, bah ça fut vite plié, hein. Bon alors, capture... capture de... périphérique de capture vidéo. Ouais, mais... Les gars, je l'ai déjà. Ah non, elle est là. Elle est là. Eh bien, c'est très bien. Alors oui, mais... Faut rogner pour que ça fasse beau, les gars. On va rogner ce... Quoi? Quel est donc ce sortilège? Filtre rognier. Mais c'est où rognier? C'est là rognier. Alors comment je vais faire? À gauche... On n'est pas sorti de l'auberge, hein, parce que ça met des plombes. On va mettre 100. Voilà. Puis à droite, on va mettre 100 aussi.
Et puis on va mettre plus que ça. On va mettre... Merde. Tu vois. 200. Puis là, 150. Voilà. Ça sera peut-être bien. Pouf, même pas. Filtre. Mais alors, faut que je me mette là. Ouais. Bon, ça ira. Tac. Hop. Eh ben, on est bien là. Bon, alors, du coup, de quoi vous voulez parler? Oh, adieu. Parce que bon, on va pas réattaquer un jeu, hein, ce serait très con. Attendez, je vais le mettre plus comme ça. Faudrait peut-être une petite musique là derrière, non? Source média. Il n'y a pas source média. Je sais même pas ce que c'est les musiques en fait, j'ai pas mis. Bon. Je sais pas ce qu'on entend. Juste vérifier ce qu'on entend parce que bon. Si c'est un truc à la con. Ah ouais, ouais c'est du Kid Icarus. Ouais bon, ça va passer. Ça passera. Bien. Et oui, une webcam. Ouais, bah on a fini. On a fini le jeu. En moins d'une heure. Du coup, bah on discute un peu. Puis bon, bah je tarderai pas du coup. Hein. Alors samedi on se fait encore du Mario Maker. Mario Maker 2. Donc si. Si vous voulez créer vos niveaux, que je les fasse, eh bien, il n'y a aucun problème, et on les fera samedi soir. Ensuite, il y a également dimanche soir, ça recartoon. Alors j'espère que je vais être en forme d'ici là. Que je sois pas trop mou, enfin bon, pour tourner ça va quoi, c'est plus c'est juste les interludes. Oui c'est vrai qu'il est en train de nous sélectionner des dingueries là, Ichelion, c'est Ichelion qui va faire la sélection je pense. Alors à part un ou que tu m'as envoyé l'autre fois, ou deux même, je crois qu'il y avait deux. Ah on va peut-être pas mettre les deux parce que c'est deux trucs de Sylvestre. Mais il y en a un des deux, voilà. Sache que on met 7 ou 8 dessins animés. Donc choisis-en 6 ou 7. Et moi, j'en mettrai un des deux. Mais par contre, faut que je... Salut, le joueur buveur. Bah, comment vas-tu, Greg? C'est toi? Sérieusement, on va se faire les mollets. C'est bien toi? Ou c'est pas toi? Ou c'est un autre joueur buveur? Ouais. 7, ouais, pour sa cartoon. Et moi, je ferai les interludes. Alors, si t'arrives à me trouver les infos, hein, je suis preneur aussi. Hein, moi, je les écris, je les réécris après. Tu m'envoies les infos. Enfin, si jamais tu les as en sélectionnant tes trucs. Sinon, s'il y en a pas, bon bah je brode autour quoi. Mais voilà quoi. Ça va être ouais, deux Tex Avery, deux Tom et Jerry, deux Lou. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas mis des Tom et Jerry les dernières fois, donc on va essayer d'en mettre deux. Ouais, deux Looney Tunes, ça me paraît bien. Et puis bah ce sera très bien en fait. Tu vois, 6. Puis moi je vais te trouver un autre truc. Ouais, ça peut être sympa quoi. Je trouverai un truc des Fleischer Studios ou je sais pas quoi. Donc ouais, un dimanche, une nouvelle fois sous le signe de Sarre Cartoon.
Et donc c'est lui, le seul, l'unique, le joueur buveur que vous, vous pouvez aller voir, sa chaîne, hein, il est sur YouTube également. J'ai lu pour soigner mon pied avec une glace. Quoi? C'est à quelle heure? 21h. Comme chaque... enfin, comme chaque dimanche, non. Pas comme chaque dimanche, c'est comme... comme chaque tous les deux dimanches. J'ai l'heure quasi tout le long pour manger ma glace et soigner mon pied. Ah oui, d'accord. Alors, mieux, et non pas l'inverse. Pour manger mon pied et soigner ma glace. Ouais, ça fera du bien. Et le week-end d'après, le dimanche d'après, ce sera la diffusion de Super Mario Life saison 3. Enfin. Voilà. Parce que ça, je laisse traîner à chaque fois. Donc, comme ça, vous, déjà, vous le savez. Donc, même heure, hein, à 21h, hein, à la même, aux mêmes horaires, hein, à peu près. Et après, je vous mettrai les épisodes de la série sur la chaîne en question, qui s'appelle Super Mario Life, hein, du coup, un par un. Voilà. Voilà, pile le temps de finir la saison 2, Madao, voilà. Là, il y a déjà les deux premières saisons qui sont en ligne sur la chaîne. Enfin, la chaîne Super Mario Life, hein, pas la chaîne principale, hein, évidemment. Et du coup, ouais. Donc ce sera ça. Donc le programme est plutôt chargé. Et, bon, on se fout pas de votre gueule, hein, les gars. Eh non. Bon, je referai de la pub, hein, d'ici là, quand même. Pour, voilà. Et puis bah, j'ai hâte que vous découvriez la prochaine chronique du Dolby, parce que bah voilà, je l'aime bien. Allez, je vous donne le titre, je vous donne pas le jeu, je vous donne pas le thème, mais le titre de la vidéo, je l'ai trouvé déjà. Le titre, vous savez, il y a toujours, bon bah il y a le titre du jeu, puis il y a le titre de la vidéo, quoi. Est-ce que je vous donne le titre? Ah, on va faire un... On va faire un poll, je vais le faire, hop. Poll. Voulez-vous savoir le titre de la chronique du Dolby? Oui. Non. Je m'en carre. Voilà, vous avez 3 minutes. Non, Lulu, écoute quand on parle. Dimanche, là, ça recartoune. Dimanche d'après, saison 3. Je l'ai dit au moins 3 fois, là. J'ai le thème, mais pas le titre. Ouais, c'est vrai. Donc, si vous voulez savoir le titre de la prochaine chronique du Dolby, là, qui là sera le mercredi, évidemment. De toute façon, je vous mettrai ça dans le Discord, et puis dans le... Je vends combien de frères pour savoir le titre? Aucun. Non, pas le titre. Pourquoi pas le titre? On saura pas le jeu, hein. On saura juste le titre. Pour découvrir le jeu avec le titre, par contre... Ah bah, on verra, vous verrez. On verra, vous votez, si vous voulez savoir le titre, juste pour commencer à teaser, quoi. Vous me dites, vous votez. Bah oui, c'est surtout que... Ouais, Weekstorm, c'est surtout que sinon on se fait strike la gueule, donc... Mais ouais. Bon, après c'est du one shot, hein, les sa cartoon, hein, les Saro cartoon, pardon. Alors il y en a qui s'encarrent. Il y en a qui veulent savoir, il y en a 8 qui veulent savoir, il y en a un qui veut pas savoir. Je pense que c'est Mélie.
Et il y a 2 qui veulent pas savoir, 8 qui veulent savoir, 3 qui veulent pas savoir, 1 qui s'en carre. Deux qui s'encarrent. Et ça va être bientôt fini. J'ai l'impression de participer à un truc clandestin à chaque Saro Cartoon. C'est un peu le délire, ouais. C'est un peu le délire jusqu'à temps qu'on... Tu sais, s'il y a un connard qui arrive et puis qui dit « Oh, attends, je vais les dénoncer », on pourra plus le faire, hein, ça. Ou si vous voulez, faudra rejoindre le Discord et puis on fera ça sur Discord. Si je suis emmerdé un jour avec la chaîne et que je peux plus diffuser les trucs... Bon, 11, hein, qui veulent savoir le titre, quand même. Hein. Donc, pour ceux qui veulent pas savoir, bouchez-vous les oreilles. Voilà, c'est fait. C'est bon, vous vous êtes bouché les oreilles. Le titre de la prochaine chronique du Dolby, ce sera politiquement incorrect. Voilà. Voilà, blablabla. Oui, ouais. Il y aura peut-être 2-3 blagues... Surtout que je suis tombé sur dans le jeu, je suis tombé sur des trucs, mon dieu. Enfin bref. Ouais, mais c'est vrai, Flo et Alice, ils le font aussi, oui. Donc voilà. Salut John Voss, comment vas-tu? Ah non, ça montre pas du tout ce que ça sera. Hein. Non. Puis ça, je vous le dirai pas parce que c'est un jeu que j'ai vraiment bien kiffé. Et en plus, ça fait un peu partie du lore de la chaîne, donc bon, on va pas trop en révéler, mais voilà. 38 ans de conneries. Ah bah écoute, moi ça va bientôt être les 40. Un coup à se faire démonétiser. Bah, je vais voir. Je l'uploaderai quand même avant pour voir. Parce qu'il y aura peut-être des trucs qu'il faudra que... Ouais, moi, c'est plus... Je pense que c'est plus sur des... Peut-être des portions de la vidéo où je risque... Ouais, voilà. On n'est jamais à l'abri d'être emmerdé, quoi. Les chroniques non JV, oui. Il y en a une qu'il faudrait que je fasse, mais... Là, l'autre con, là, qui m'a dit plagiat JDG alors qu'il était en tort. Déjà, parce que plagiat, c'est pas ça. Et parce que maintenant, tu utilises plagiat quand t'as un truc qui ressemble, ou quand tu t'es inspiré de, ou machin. Ou quand tu traites le même sujet qu'un autre. Voilà, maintenant c'est plagiat, ça. Donc c'est complètement débile. Et il m'a refroidi parce que justement il y avait un hors-série de prévu sur un site comme AB. Et ça fait plusieurs mois et puis je l'ai un peu laissé tomber, quoi. Mais je sais pas si elle va sortir là pour la fin de saison. Hein. Mais j'ai même pas commencé à bosser dessus. J'ai juste noté des trucs, mais. Ça m'a refroidi. Et les trucs non JV, ouais, faudrait que j'en fasse un peu plus de toute façon. Hein. J'ai plein d'idées, mais le problème c'est qu'il faut pouvoir les réaliser. Donc voilà. 3 Looney Tunes. Manquera plus que les Tom et Jerry. Bah nickel. Mais je crois qu'il y a... Attends, parce qu'il y a Oru qui m'a filé, je crois, des Tom et Jerry. Il m'en a filé. Faudra que je regarde. Je vais télécharger Oru.
Ah ouais, mais putain, si je fais ça pendant que je suis en live, ça va tout niquer, quoi. Putain, 3 gigas. Hein. Je vais faire téléchargement normal. Téléchargement normal, je pense que ça va mettre 3 plombes. Oh, ça va, le live, il bug pas, les gars, parce que... A plus, Mélie, il est bon dodo et des bisous. Repose-toi bien. Merci du follow, le plongeur. Comment vas-tu ? On ne vous a jamais dit que le rire pouvait tout guérir. Foutez le camp d'ici ! Voilà. Comment vas-tu ? Bienvenue à toi, le plongeur. J'espère que tu ne vas pas plonger dans la nostalgie, la mauvaise nostalgie, bien entendu. Étant ici, et puis pour ceux bah, qui débarquent et puis qui ne sauraient pas que j'ai une chaîne YouTube où on parle nostalgie, où on fait des chroniques de qualité, bien sûr. Voilà. Vous n'avez plus qu'à cliquer. Non, ça bug pas. Bon bah voilà, je sais pas, est-ce que vous avez des questions, tiens, j'en profite hein, pour une fois qu'on est en discussion là. Est-ce que vous avez des questions et n'hésitez pas, parce que bon bah après sinon on va couper hein. Mini FAQ, allez, vas-y. Tu ne frapperais tout de même pas un gars avec des lunettes. De la merde. Posez vos questions, oui, tout à fait. N'hésitez pas, même des questions cons. Même la énième question. À partir de quand ça commence le rétro gaming? Je sors de l'ombre, Texter! Un test de Eleven Sour prévu. Oh, j'aime bien la question là. Bah écoute, Eleven Sour, on avait essayé de le faire en live. Je crois qu'il y a un an. J'avais fait Seven's Guest en live. Putain, ça avait cartonné. Les gens étaient à fond dedans. Bah forcément, hein, le jeu est bien. Donc, Et Eleven Sour, il y avait une intro. Putain, sans déconner, elle dure un quart d'heure, 20 minutes l'intro. Et tu peux pas la passer. Salut Dette. Tu peux pas la passer. J'étais à, je sais pas, il y avait 15 personnes au début de live. Et je vous jure, j'étais à 2 personnes à la fin de l'intro. Et donc j'ai commencé la première énigme et je fais... Et j'ai vu le compteur descendre et tout. Et je fais... Il y avait plus personne qui parlait. Je fais, oh mon dieu. Ah là 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 là. Mais ce serait intéressant, je pense. Eleven Sour. Mais... En fait, en ce moment, le problème sera pas pour tout de suite parce que c'est pareil, hein, y a un test de prévu. Si on regarde bien dans l'intro, dans la cabane, bon, faut bien regarder quand même hein, parce que ça passe vite, mais il y a des cadres dans la cabane. Un jour, ce serait bien que je demande des screenshots ou une vidéo où on voit tout le tour de la cabane, on voit toutes les références hein, en fait, donc, de tous les acteurs, les comédiens dont on parle ou dont on n'a pas encore parlé. Mais qui font le style de la chaîne. Et il y a aussi des cadres avec des jeux. Et il y a un jeu qui s'appelle Lost Eden, qui est une sorte de point and click aussi. Hein, voilà. Et du coup, j'aurais bien aimé le faire aussi, Lost Eden, pour cette saison-là, mais là, j'aurais pas le temps. Et en fait, en ce moment, le problème, c'est que YouTube, il m'a foutu dans les combles. Du coup, on est moins visible. Et par conséquent, il faut que je fasse des trucs qui essaient de ramener un peu de monde, quoi. Donc, il y avait eu le Zelda. Ouais, ça avait ramené quand même, je crois, 200 personnes. Mais on n'avait pas été longtemps dans les, je crois, dans les recommandations. Hein.
et dans les prochains jours, bon bah c'est des... Après moi c'est des jeux que j'estime être vraiment sympas et qui réunissent un peu les gens, mais j'en sais rien quoi aussi, hein. C'est ça le problème. Mais ouais, ah non, mais l'algorithme il a complètement pété un câble. Et moi j'ai divisé mes vues par quasiment deux. Ouais, deux. Donc voilà. Mais non, c'est même pas une question de ça. Si t'es pas recommandé, tu t'auras beau faire du sexy, ça marchera pas. Alors attendez, je remonte parce qu'il y a d'autres questions. Quels sont tes prochains streams de jeux sur Twitch? Eh ben écoute. Là, le problème pour le moment, c'est qu'il n'y a pas grand chose qui sort et qui m'intéresse. Là, il n'y a pas de gros trucs, hein. Il n'y a pas de. C'est pas comme. Comme à l'habitude, là on refait des. Bah, on refait plus du rétro gaming parce que bah. Ouais, non, il n'y a rien qui m'intéresse. Peut-être Mario Foot là, et encore, ça me fait chier de dépenser 60 balles pour un jeu auquel je vais jouer une fois, parce que je vais me dire, ouais, mais quand même, les anciens ils étaient mieux. Parce que tout va être casualisé ou machin. Donc voilà. Quel est ton carton préféré et ton personnage cartoon? Parce que mon carton préféré, c'est celui où on peut dormir dedans. Cartoon préféré et ton personnage. Mon cartoon préféré. Oh, j'en sais rien. Là, pour le coup... Ah, puis j'ai du mal à réfléchir, là, étant donné que je suis... Ouais, c'est après, il y en a plusieurs, hein. Et quel est ton dessin animé préféré hors cartoon? Alors, hors cartoon, ça veut dire quoi? Ah, tu veux dire des longs métrages ou des trucs comme ça? Ouais, j'aimais bien Aladdin en Disney. Après, parce que Roger Rabbit, pour moi, c'est pas un cartoon, c'est un film. Donc, voilà. Parce que sinon, Roger Rabbit au-dessus de tout. Mais voilà quoi. Malgré ça, j'ai loupé les trois dernières vidéos. Regardez, voilà. J'en étais sûr de ça. J'en étais sûr. Mais c'est exactement le problème, Texter. C'est-à-dire que depuis quelques mois, je suis sûr que les notifs ne s'envoient plus à tout le monde. Il y en a qui les ont, il y en a qui les ont pas. Tout comme le fait que il y en a qui ont le bouton rejoindre, qui est une sorte de sub en fait. Hein. C'est pour faire des abonnements ou des machins. C'est pour soutenir la chaîne. Donc il y en a qui m'ont dit un jour en commentaire, on aimerait bien soutenir la chaîne, hein, mais on l'a pas le bouton rejoindre. Puis il y en a qui l'ont. Voilà, c'est YouTube. C'est YouTube, ça pète un câble, voilà. Ah oui, c'est vrai, Bugs Bunny, voyage dans le temps, oui, il faudrait que je le fasse parce que je le connais pas, celui-là. Peut-être en stream, oui, effectivement. Et puis bon, bah pour les cartoons préférés, moi j'aimais bien, à l'époque, qu'est-ce que je regardais? J'aimais bien Tom Sawyer, j'aimais bien... Bon, je regardais Super Mario, le cartoon. Le premier cartoon, celui avec les... je sais qu'il y a plein de gens qui sont pas d'accord avec ça, mais je le trouvais génial, moi, ce cartoon, il était très bien. Bon, alors, il y avait des interludes avec des mecs, mais quand tu les avais pas, les interludes, sur les DVD, tu les as pas, les interludes, hein, c'est juste le dessin animé, et t'as une suite logique, et t'as un début, une fin. Non, c'était... en plus, il y avait de la bonne musique. Et on m'a dit, ouais, mais non, mais c'est de la merde et tout. Un jour, je ferai une chronique du Dolby sur le dessin animé Super Mario, la partie que j'ai connue, parce que, évidemment, il y a eu Super Mario Bros. 3 aussi en dessin animé après, et là, c'était plus doublé en France, c'était ni fait ni à faire, quoi. Là, par contre, c'était nul. Et puis, il y a eu Super Mario World aussi, ils ont décliné, mais c'est des trucs que j'ai carrément pas connus, parce que je suis même pas sûr que ça passait en France. Donc, salut Auron. Donc voilà. Perso, en activant la cloche, je reçois tout. Ouais, mais après, j'ai l'impression qu'ils font du tri.
Je sais pas comment ça se passe. J'ai eu la notif Darkwing Duck, c'est comme ça que je m'en suis aperçu. Bon, bah, l'avantage, c'est que t'as 3 ou 4 vidéos à rattraper, et puis tu peux te faire une soirée marathon. Si t'as loupé, je sais plus, qu'est-ce que c'était les dernières vidéos. Bon, bah, Megaman déjà, hein, Megaman 2. Il y avait quoi? Il y avait Mario. Il y avait du Mario en nostalgie, etc. Quoi. Bah oui, toi tu l'as le bouton rejoindre vu que t'es dans les subs. Ça dépend pas du navigateur, je ne sais pas. Moi je me fie au Discord, s'il faut compter sur YouTube, oui c'est vrai. Alerte aux Martiens sur Game Boy. Ah, je le connais pas non plus celui-là. Pif Hercule aussi, j'aimais bien, ouais. Après, si, alors, si vous voulez, on arrive à la, ça va être la 47e chronique du Dolby. Si jamais je peux, j'essaye de faire un compte rond pour finir la saison 4. Quatrième saison. Donc, je vais essayer d'en refaire deux. Donc, je vais m'atteler sur des chroniques du Dolby, jeux vidéo, etc. Alors, peut-être pas des gros jeux, hein. Voilà. Donc, les deux prochains sont des gros jeux. Peut-être qu'après, je vais m'atteler à des trucs plus... plus... Mais il y avait un jeu Bugs Bunny que j'avais à l'époque et que l'ami Oggy Crepe avait fait, là, il y a pas longtemps. Et je m'en suis souvenu et je me suis dit, est-ce qu'on peut avoir de la nostalgie sur un truc de merde? Sur un jeu de merde. Donc je vais essayer de faire un... Je vais essayer d'en refaire deux des chroniques du Dolby pour faire un compte rond, pour arriver à 50. Mais bon, c'est quand même con, parce que la 50e, ça aurait pu être un bon truc, quoi. Ou alors j'arrête à 49, comme ça m'en refait qu'une affaire. Salut Foxart, comment vas-tu? Alors attends. Oui, transfert envoyé en MP. D'accord, ça marche. Alors attendez, je rattrape les... J'aimerais tellement te voir sur Fantasmagoria ou autre. Mais pareil, le risque d'entendre crier au plagiat. Fantasmagoria, qui c'est qui l'a fait? C'est pas Ed? C'est pas Ed qui l'a fait? Merde, capture de fenêtre. Et... Pourquoi il était comme ça? Merde! Siguré. Pourquoi je suis mute? Oui, donc je disais, merde, mauvaise nouvelle dans la journée, courage Foxart. Je me suis chié. J'ai enlevé des trucs, je vous dis, je suis pas... Avec l'acupuncture, ça m'a... Pourtant, j'ai bien dormi cette nuit et j'ai redormi dans l'après-midi. Mais bon, c'est comme ça, hein. C'est pendant 3-4 jours... Tu peux être un peu mou. Ce matin, j'ai eu un petit vertige. Ce soir aussi. En revenant de la balade aussi. Voilà. Parce que je suis décalqué, quoi, c'est tout. C'est pas du plagiat. Mais non, bien sûr que non. Et de toute façon, il n'y a pas de plagiat. Hein. Le seul truc qu'on pourrait dire plagiat JDG, c'est... Et encore, on pourrait même pas le dire, puisque c'est assumé. C'est la chronique du Dolby sur Astérix and the Great Rescue qui s'appelle justement, dont le titre est le remake du JDG pour montrer que les remakes ça sert à rien. Donc voilà.
plus un pastiche, oui, en plus. Un pastis, je sais quand même, c'est de l'eau. C'est de l'eau que j'ai pu d'ailleurs. Donc voilà, ouais, mais de toute façon, il y en avait plein de chroniques de prévues, puis j'arrive pas en faire, en fait, à toutes les faire. Parce qu'il me faut du monde, il me faut des gens pour les tournages, etc. Mais il y a des chroniques hors série que j'aimerais bien faire. Hein. J'aimerais bien faire vraiment des gros trucs. Hein. Pas un site comme AB. Un site comme AB, ça va être... voilà, je peux le faire. Hein, il est prévu, mais... c'est. Alors, je vais pas vous dire sur lequel. Mais voilà, je peux le faire, mais ce sera un petit truc... voilà, je suis même pas sûr que je vais pas improviser devant la caméra, en fait. Mais ce sera à la cool, quoi. Par contre, non, il y a d'autres sujets que j'aimerais, notamment sur du cinéma, sur des comédiens, sur des trucs comme ça, où là, non, il faudrait du boulot, quand même. Hein. Est-ce que ça s'annule? J'en sais rien. Ouais, je sais pas, hein, tu sais, dans leur tête, ils sont un peu cons, hein, donc je sais pas si ça s'annule. A plus, Wickstorm, à très bientôt. Passe une bonne nuit. Un Final Fantasy, tu penses que c'est faisable un jour en chronique? Non, c'est pas dans la veine de la chaîne. J'aime pas ça, les RPG. Rares sont ceux que j'ai fait. Et en plus de ça, putain, il faut les copier les images. Hein. Et si t'as 60 heures de jeu ou de machin, moi ça va me faire chier, c'est mort. Donc voilà quoi. Éventuellement du Pokémon, parce que peut-être que je m'y mettrais juste pour tester, alors peut-être pas. Alors on ferait pas 18, hein. Peut-être le premier, voilà, pour le traiter, puis je m'entourerai de gens qui s'y connaissent en Pokémon. Comme ça, ils m'aideront à l'écriture, et voilà, parce que sinon je vais dire des conneries, je vais pas être à l'aise, c'est pas des sujets qui... Voilà, mais effectivement, hein, pour là ce serait plus des vidéos popcorn pour essayer d'attirer un max de monde, etc. Et en parlant de monde, vous êtes 40. On était 20 tout le long quand on faisait le jeu, mais vous êtes 40 quand on monte la gueule. Évidemment. Un Metal Gear, je les connais pas. Je connais pas du tout Metal Gear Solid non plus. Moi je suis pas un full-time job avec les jeux vidéo. Hein. Mais bon, ça peut être... voilà, je peux le tenter. Hein. Silent Hill, c'est pareil, j'ai jamais fait... je connais un peu plus, mais ça, en plus, ça pourrait être intéressant. Vraiment à faire en chronique, ça pourrait être intéressant, parce que dire des trucs sur le jeu, bon, on va dire les mêmes conneries que tout le monde, hein, et machin Wikipédia, etc. On peut peut-être trouver des mystères ou des trucs qui sont pas dits à chaque fois, mais surtout, le plus intéressant, ça va être la partie mise en scène, si on peut avoir un bon gros truc, un bon truc qui me mette mal. Ah mais si, putain, mais attendez, je l'ai ma 49e chronique du Dolby, elle est quasiment... Bah, de toute façon, j'ai plus qu'à tourner ma partie chronique et puis à faire le montage. Super Mario RPG, oui, non. Non. Celui-là, il m'attire pas du tout. Non, c'est pas... de temps en temps, il y a la webcam, mais c'est très rare. Parce que, toi, en plus, je la mets que les jours où il faudrait pas que je la mette. C'est-à-dire que là, je suis complètement éclaté, j'ai les petits yeux, des machins... Il n'aurait pas fallu que je la mette, mais bon, là, je me suis dit, on discute, allez, hop, c'est bon, je vais pas mettre un fond d'écran, et puis y a rien, autant qu'on voit ma gueule, quoi. Donc, voilà, après, si, des fois, il y a,
quand je stream à l'étage, il y a le personnage là en 3D, le loup en 3D que j'ai fait là, et puis qui fait les mouvements, ça c'est sympa aussi. C'est assez cool. Putain, j'ai la dalle. Ouais, ça paye. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions éventuelles afin de continuer cette mini FAQ? À Cara Maxime, mais je t'ai dit bonjour ou pas? Oh là là, non, je perds la boule. Si. Alors, les projets de musique pour Armoire, c'est mal barré quand même. C'est-à-dire qu'il y en a un que je dois faire depuis 2 ans parce qu'ils m'ont envoyé leur voix depuis 2 ans. Il y a Edouard, Darkhaus et Gronenes. Je vais essayer de la faire pour avant de la fin de la saison 4 là. Et c'est. Je pense que saison 5 il n'y en aura plus des armoires. Ou alors s'il y en a, je les mettrai sur la chaîne secondaire parce que ça fait trop. Ça marche pas. Ça marche pas. Tu joues de quel instrument? Clavier. Clavier parce que j'ai essayé la guitare quand j'étais gamin, ça n'a pas pris. Voilà. Mais c'est surtout parce que le système était con, hein. Sinon j'en aurais fait de la guitare. Mais les profs, t'avais 20 minutes de guitare pour 1h30 de solfège. Donc super. Ouais, pour des gamins de 10 ans, quoi, toi. Non, toi t'as envie de jouer machin. Puis en plus de ça, la meuf, elle m'avait fait faire un truc, donc je l'avais fait. Voilà. Sauf que j'avais pas reconnu. Elle m'avait dit, bah tu l'as pas reconnu. Mais enfin, je m'étais limite fait engueuler parce que j'avais pas reconnu la musique que j'étais en train de jouer, mais je connaissais pas. Et vous savez ce que c'était? C'était Bonne Nuit les Petits. Je connaissais pas Bonne Nuit les Petits. Voilà. Donc au bout de quand même 5 ou 6 cours, on a dit on va arrêter le tir. Et puis bon, bah, le clavier j'en faisais déjà à l'oreille. C'est pas que je connaissais pas les notes, je connaissais les notes, mais j'avais pas toute la... Et même encore maintenant d'ailleurs, j'ai pas les techniques. Hein. Je peux pas vous faire... Voilà, ça c'est pas possible, j'ai pas assez de dextérité dans les mains, quoi. Mais... Bon, ça dépend pourquoi. Mais voilà. Et j'avais aussi voulu prendre. Alors, j'ai pas pris des cours, mais je voulais prendre des cours. À l'époque, vous aviez vous aviez des cours en bouquin. Et j'ai essayé, et en fait, j'avais pas assez de souffle. Je voulais jouer du saxophone aussi. A plus, John Voss. Et pourquoi ce choix Bonne Nuit et Petit? J'en sais foutre rien. Surtout que c'est à la flûte, hein, Bonne Nuit les Petits, normalement. Hein. Et là, il s'avère que c'était à la guitare. Oui, je joue plus à l'oreille, moi. Bien que des fois, ce soit bien chiant. Mais ça, on a appris ça avec mon prof de piano aussi. À repérer les basses, à repérer ce qui peut... voilà. Quand tu repères la basse, déjà... Si t'arrives à repérer, parce que des fois c'est chaud, si t'arrives à repérer la basse d'un morceau, ah, déjà tu peux tester des trucs. Tu peux tester l'accord qui va avec la basse. Et si c'est pas ça, si ça rend pas pareil, bah, ça veut dire qu'il y a un renversement d'accord, ou c'est un autre accord et c'est avec une autre basse. Et donc tu peux essayer de gérer, de faire des trucs comme ça. Mais bon, après, il y a des trucs assez costauds. Hein. Je vais pas regarder. Attendez. Il y avait d'autres. Mais sinon, il y a des. Normalement, c'est ça qui me fait chier aussi d'arrêter les armoires, c'est que il y a plein d'autres trucs quand même.
dans mes valises, quoi. J'ai plein de trucs que je pourrais présenter là-dedans, quoi. Donc, je sais pas. À quand une nouvelle collaboration, nous a dit Foxart. Déjà, nouvelle, c'est-à-dire nouvelle avec quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Je sais pas, mais à mon avis, ce sera pas cette saison-là. Ce sera plus la saison prochaine. J'attends des news d'une personne. Je sais pas si elle sera encore open pour le truc. Elle avait l'air open, mais bon, elle a pas répondu. Et puis il y a une autre personne aussi que j'aimerais bien. Parce que je commence à bien discuter avec. Alors là, celui dont je vais parler, ouais, vous connaissez. Je pense que vous connaissez, oui. C'est un créateur aussi. Il fait très bonnes vidéos sur le jeu vidéo. Et qui parfois en live. Je discute pas mal avec lui et je pense que ce serait sympa, mais il faut que je trouve un bon délire. Je sais pas si ce serait sur une chronique du Dolby ou sur un nostalgie ou un truc comme ça. Il faudrait que je lui propose, évidemment. Il faudrait qu'il soit open, hein, aussi. Peut-être qu'il n'aura pas le temps ni rien, mais il est vraiment très très cool. Alors je vous dis pas qui, hein, du coup, si vous voulez pas savoir. Enfin bon, il n'y en a pas non plus 140 000. Hein. Sinon, je pense que si en termes de collab, mais où ce sera peut-être pas sur ma chaîne, j'en sais rien parce que ça dépend. Si j'arrive à. Ah, mais oui, putain, si j'arrive à tourner d'ici là, ouais, ça peut peut-être le faire. Peut-être notre ami Cayette. Mais sinon, ouais, il y en a deux. Parce que moi, j'aimerais bien. On aime tous ça, hein, c'est-à-dire faire des feats avec d'autres personnes, en fait. Pas toujours être avec le même groupe. C'est-à-dire que c'est bien, hein, le même groupe. Hein. Tenez. Alors, c'est pas dans la prochaine, mais dans celle d'après, de Chronique du Dolby, il y aura un peu d'Edouard aussi. Bon, un tout petit peu, hein. C'est. Voilà, dans un truc où on ne l'attend pas, évidemment. Donc ça peut être vraiment sympa. J'ai hâte aussi, mais il faut que je la continue. Celle-là, elle est plus chaude à mettre en place, déjà. Un gros jeu, quand même. Et donc, oui, c'est très bien de continuer d'inviter les copains, voilà, Jamy, etc. Ça, c'est très bien, mais c'est bien de tourner aussi. C'est bien de temps en temps, voilà, on aère un peu. Ça aère le truc. J'aimerais bien aussi rebosser avec des comédiens de doublage, mais j'ose pas trop les contacter. Voilà. Ah, je vais pas piquer tous les acteurs de Edouard. Hein. À l'occasion, si je suis dans les alentours, bah y a pas de problème, Foxart. Hein. Pas de problème. As-tu des projets de vidéos qui sont hélas tombés à l'eau par manque de moyens techniques ou autres? Pour l'instant, oui. Enfin, c'est pas qu'ils sont tombés à l'eau, c'est que pour l'instant, je veux pas les faire parce que si je les fais à moitié, ça va me faire chier. C'est projet pour Cluedo. Le truc Cluedo, je sais pas comment je vais le faire. Hein. Parce que des fois, il faudrait que j'essaye de faire à mon niveau, quoi. Mais je peux pas. J'ai toujours. Ouais, il me faut un manoir, il faut 50 acteurs, là, et puis machin, mais je peux pas. Je peux pas, j'ai aucun budget, et c'est de pire en pire, donc.
Avec Richard. Richard Darbois, oui, bien sûr. Ouais, bah écoute, Richard Darbois, j'aimerais bien le recontacter. C'est pareil, j'ai un peu peur qu'il me dise « Oh, il commence à me faire chier », c'est avec sa voix. Mais il dira pas ça, mais puisqu'il est gentil comme tout, c'est vraiment un mec adorable. Mais il faut que j'ai un bon texte, il faut que j'ai un bon truc à lui proposer. Et voilà. Je suis dans l'Est. Il y a pénurie de moutarde. Alors c'est vrai, ces conneries, il y a vraiment une pénurie de moutarde. Bah en fait, il y en a un que je voudrais... mais c'est pareil, je voudrais attendre d'avoir tourné. Et c'est comme ce sera certainement pas cette année non plus. Mais il y en a un, je veux vraiment lui proposer. Après, bon, bah s'il répond pas, il répond pas. Hein. Tant pis, on pourra pas faire... Ah mais oui, il est super. De toute façon, ça se voit. Hein. Richard Darbois, c'est un mec... Il a vraiment d'être cool, quoi. Salut Moumout. Non. Kouwasama. Non. Non parce que j'ai des amis qui sont déjà venus. Attends. Non parce que je suis nul en géographie aussi. Hein, attends. C'est bien celui-là. Oui, c'est bien celui-là. C'est bon. Ouais, Paris Manga, ouais, j'ai vu qu'il était... J'étais dégoûté parce que j'étais plus ou moins invité par, par l'association Emo 5, mais je peux pas... J'arrive pas à aller à 5 km de chez moi, hein, pas pour aller à Paris, tout seul, en bagnole ou en train, hein, c'est... Patrick Guimard, ton imitation de David... Ah oui, bah, tu vas réentendre du Patrick Guimard dans pas longtemps, je pense. Sans donner de... Hein, voilà. On va en reparler. Ah mais non, mais t'es pas loin. T'es à 2 heures de route, je pense. Allez, 2h30 peut-être. Après, s'il y a des gens qui sont comédiens dans l'âme ou enfin qui jouent bien quand même hein, parce que voilà, ça me ferait chier hein, de vous dire bonjour et puis en fait je vois que ça joue pas bien et puis que je suis obligé de vous remplacer, ça me ferait chier, mais bon, elle se trouve dans mon cul. C'était David Duck, ça. Enfin. Ouais, j'aimais bien j'aime bien aussi Coyote, je crois que c'est mon perso préféré au niveau du design et au niveau de la connerie, quoi. Et puis il a pas besoin de parler, alors il parle de temps en temps, d'ailleurs je crois qu'il avait la voix de Patrick Guillemin aussi pendant un temps. Ouais, bah pourquoi pas, il est chez Lyon, hein. De toute façon on va avoir l'occasion je pense de se voir, donc... Enalora, je faisais du théâtre avant, j'aimerais bien reprendre, ça dépend de où tu es. Attends, ah oui, non, attends, ouais, là je commence à fatiguer là, vraiment les gars, oui non, c'est pas toi, c'est Kouwasama. Salut Geek en Stock, t'arrives pile à la fin, hein, je pense. De quoi, qu'est-ce que tu m'as dit, Kouwasama, je comprends pas, même si ça s'arrange, qu'est-ce qui s'arrange? On a un peu le même problème, ah oui, d'accord. Même si ça s'arrange, j'ai l'impression. Ouais, mais ça s'arrange. Moi, chez moi, ça s'arrange. C'est vraiment très, très progressif. Hein. C'est. Il va falloir quelques années encore, hein, je pense. Ou quelques mois, du moins, pour déjà avoir une grande avancée. Mais c'est vrai que oui, ça s'avance. Ça avance, quoi. Merci pour tes 2 mois. Seul Link peut vaincre Ganon. Geek en Stock. Et merci, Lulunico, pour les 100 bits. Ouais, ça prend très longtemps, bah parce que t'as été très longtemps comme ça, et bah, l'acupuncteur il me l'a dit hier. Mario, Mario, beat.
Ton cerveau, il a été habitué très longtemps à se sentir mal quand tel truc, voilà, la fatigue, quand tu vas manger, quand tu vas, quand tu sens, quand tu as un vertige, quand tu machin. Bon. Ça se refait pas comme ça. C'est de la rééducation de cerveau. Mais ouais, il y a du mieux, il y a carrément du mieux. Hein. Je veux dire, l'année dernière, j'étais en PLS. Hein. D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez regarder hein, la vidéo que je vous ai partagée hein, de Renegades et Tu y as trop joué. Merci pour les 100 bits. La vidéo que je vous ai partagée où j'étais invité chez pour le Play Week Show, on en parle hein, de tout ça. On parle de l'anxiété, etc. On parle aussi de jeux vidéo, de YouTube, etc. Mais je trouve que c'était vraiment très bien. Je suis vraiment éclaté, les gars. Je pense qu'on va on va s'arrêter là. Je suis en train de fermer les yeux et tout. Faut que j'aille me poser. En plus, il fait chaud là. Je trouve que je vais foutre la clim. Ouais, j'ai la clim, les gars. Je me la pète. Mais ouais, on va aller faire un. Hein. Vous avez déclenché un train de live. Merci, les gars, mais. Non, gardez vos sous. On va aller chez quelqu'un. On va aller voir. Qui c'est que vous voulez aller voir? Parce qu'il y a des gens, je les raide jamais. Hein. Eh bien. Oh! Est-ce que vous voulez voir... hier, on a été... Attendez, non, c'était pas hier. Non, c'est moi qui suis passé la voir. Mais on a été la voir il y a pas longtemps, Laura. Je pense... Alors, il y a Psycho-Seb, effectivement. On est allé le voir il y a pas très longtemps, c'est Psycho Seb, non ? Je m'en rappelle plus. Merci pour les 100 bits, Madao. Par contre, il y a le monsieur qu'on m'a fait découvrir, NTX. On l'a jamais raid, hein, on va essayer. Il fait pas mal de voix quand il fait du... Ah putain, je trouve plus mes mots, ça me gonfle. Du RPG. Voilà. NTX Evil. Voilà, je vous invite à aller voir NTX Evil. Salut Nice, t'arrives à la fin, on est en train de faire un raid. Faut que j'aille me coucher. Bon. Vous souhaitez la bonne nuit, je vous donne rendez-vous samedi pour du Mario Maker 2, on refera peut-être du Mario Kart dans les semaines après. Évidemment, dimanche, on vous prépare un très bon sa recartoon, a priori. Je vais aller télécharger tout ça, tout ce que tu m'as envoyé chez Lyon. J'espère que ça vous a plu, ce tic-tac NES, et puis cette petite séance en face cam, quoi, du coup. Avec les petites questions, n'hésitez pas à lâcher votre petit follow si vous aimez bien ce que fait l'ami NTX. On se retrouve très prochainement. Prenez soin de vous. Bisous. Calme Pokémon, si jamais c'est trop calme.